Je viens pour l'annonce, la chambre à louer. Ah, c'est bien ici? Oui, oui, tout à fait. Vous voyez, l'appartement est très vaste. Et il faut aider les étudiants, n'est-ce pas? Les mignons, les charmants, les mignons, les charmants. C'est gentil, alors, d'aider les étudiants. Voilà. Alors, je vous présente tout de suite. Bocchian, vous avez un lit, un fauteuil, une chaise et une table. Plus le reste. Il va s'en verra plus tard. Ah, à propos le lit là, je peux l'essayer le lit? Oui, bah allez-y, allez. Ah oui. Ah, la confortable. Écoute, c'est peut-être qu'il arrête de manger des hamburgers. Hamburgers? Alors, je nomme. Vous avez aussi un fauteuil d'époque là. Ah. Et là, ça coûte une époque. Magnifique. Et là, vous encore vous asseoir dessus parce qu'il est très fragile. Alors, je vous lève. Je vous mets un tabouret. Parce que voilà, vous avez un tabouret, c'est très bien. Voilà, c'est une. Ah oui? C'est pas le choix. Non, c'est pas le choix. Il est bien, non? Oh oui, très confortable. Ah oui, il est gentil, il est mignon et charmant. Il est gentil. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le bail. Ah oui. Alors, venez-moi vers moi. Venez vous asseoir. D'accord. Faites attention, vous êtes assis sous ma chatte. Oui, c'est là ma minette, elle est horreur qu'on s'assoit sur elle. Alors, vous mettez là, c'est bon, là, vous allez vous mettre là. Voilà. Le mignon, il comprend tout, hein. Il comprend tout, il comprend pas vite. Voilà, vous asseyez là. Là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Très bien, voilà. Comme ça, je peux vous regarder de haut, ça m'évite d'avoir mal au cervical. Voilà. Et vous vivez votre vie, puis je vis la mienne, d'accord? Mais je vous demanderai une chose. C'est de ne pas recevoir d'amis. Hein? Mais moi, j'ai des amis. Eh ben non, moi ça me fatigue. D'accord? Donc pas d'amis. Voilà. Alors, dis-moi, en plus... Oui, dites-moi. Je pense que vous avez... Vous asseoir ici, et puis vous mettre six petits chaussons, très patriotiques, n'est-ce pas? Mais écoutez, pourquoi? Parce que vous allez faire du bruit avec vos chaussures. D'accord? Alors, quand vous allez faire du bruit avec vos chaussures, je vous mets des chaussons, un petit coup de désinfectant. Voilà! Et voilà! Il est gentil, il a tout bon coup. Revenons-en aux choses sérieuses, là. La cuisine pour mon petit déjeuner le matin. Non, mais attendez, la cuisine, vous rigolez. Vous n'allez pas prendre votre petit déjeuner ici. Et puis vous savez, si vous servez du gaz, d'électricité, c'est dangereux pour un étudiant. Donc vous le prendrez dehors. Vous prendrez juste un petit supplément, 50 euros de plus. Vous savez, la vie est dure pour une veuve de colonel. Je ne peux même pas vous imaginer comment elle est dure pour un étudiant sans ressources. Bon, alors, nous disons donc 700 euros de loyer, plus 50 euros de petit déjeuner, moins 50 euros de petit déjeuner, puisqu'il ne prend pas. Ce qui nous ramène à 700 euros. Tu exagères, Gervaise. Mais qui a parlé? Mais c'est Roger qui me quitte jamais. C'est gentil, Roger. Il est mignon, il est beau, Roger. Hein. Il est beau. Et la salle de bain? La salle de bain.
qui se lavent en plus. Oui, la salle de bain, oui. Je prends une douche par jour, mais je ne voudrais pas abuser. Non, mais la salle de bain, oui. Vous ne prendrez pas un bain parce que le bain, c'est cher aussi. L'eau, facture d'eau, c'est cher aussi. Donc, pas de bain. Vous savonnez le museau, l'oiseau, vous rincez et vous n'en parlez plus. Oh, par contre, je vais vous les couper. Couper. Ah, je vais vous les couper. Non, non, les cheveux. Mais. Ah, oui, oui. Mais vous êtes sûr que vous savez faire ça? Mais mon grand-père tondait les moutons. Donc. Vous êtes complètement. 5 ben, allez-y. 5 euros de plus. Allez-y, allez. Qu'on rigole. Allez, et coupez-moi les cheveux. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est mes cheveux, ça. Le pourboire à la concierge. Mais arrêtez. Vous oublierez pas non plus les fleurs pour madame la comtesse. Les gâteaux pour madame la comtesse. Arrêtez. Oui, il est beau, il est beau, il est beau. Vous allez poser ça, dépêchez-vous. Venez avec moi. Vous êtes très beau, jeune homme, très beau. Vous avez vu votre mine? Oui, ma mine. Vous avez très mauvaise mine. Ah bon? Oui. Mais vous voulez des fleurs, mais les fleurs, attention aux allergies, les fleurs. Ah. Et les bonbons, hein, votre âge, le diabète. Le diabète, attention, les bonbons. Atteinte aux nerfs. Perte de sensibilité. Vous trouvez que ça va bien? Non. Des orteils. Bon, vous mâchez le chewing-gum? Bah oui, ça m'arrive. Oui, et ben moi, j'ai horreur des marcheurs de chewing-gum. Et ma minette encore moins. Alors, vous irez dans votre chambre et vous y resterez. D'accord? J'y compte bien. Voilà, ce que très je bien. Ah, il y a une chose aussi. Mon frère vient passer 2 mois par an. Alors, faites ce qu'il fait. Veut. Oui, bah, il fait ce qu'il veut, mais il logera ici. Il logera dans votre chambre parce que j'ai pas de maître. Voilà. Eh bien, j'espère qu'il viendra pendant les vacances scolaires. Mais... Moi, j'ai des examens de fin d'année, hein. Oui, oui. Bon, écoutez, jeune homme, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. C'est ce qu'on va faire, là. Vous allez me donner les clés et moi, j'en mange pas. Allez. Hé, qui veut les clés de l'appartement? Non, mais ça va pas, là. Si je suis là, ben c'est très bien, mais si je ne suis pas là, ben vous irez dormir à mon plaisir. D'accord? Parce que les clés, jeune homme, vous risquez de les perdre. D'accord? Donc pas de clés. Allez, on se bise. Il est mignon, il est bien charmant ce petit. À demain, hein? Il est mignon. Oh, je suis contente, j'ai fait une belle location. Bonjour, un beau jeune homme. Allez vous faire foutre avec votre chambre, votre clé, votre gaz, votre électricité et tout le reste. Ah oui. Ah. Encore la folle du troisième qui a essayé d'arnaquer un étudiant. Mais c'est pas possible. Il y a encore la voisine du dessus, là. Elle embête tout le temps les étudiants, elle ne les comprend pas. Mais en fait, il n'y a que moi qui les comprends, les étudiants.